En plus d'un montage classique, nous allons voir le montage multicaméra dans DaVinci. C'est très utile pour, par exemple, monter rapidement une interview, un concert ou n'importe quelle situation que vous avez filmée à plusieurs caméras. Avant de commencer, je vous recommande de modifier certains raccourcis. Encore une fois, le clavier étant par défaut en QWERTY, certains de ces raccourcis ne fonctionneront pas. Donc j'ouvre ma fenêtre de personnalisation du clavier et je cherche dans Plan, raccorder multicaméra qui se trouve ici. Ces raccourcis vous permettent de basculer d'un angle de prise de vue à l'autre, mais le 4 ne fonctionne pas avec un clavier azerty. Alors vous pouvez le redéfinir avec la touche apostrophe, ou mieux si vous avez un pavé numérique, redéfinir ces différents raccourcis avec les chiffres du pavé numérique. Pour du multicaméra, il est important d'avoir du son sur chaque image. En général, le son que vous utiliserez au final rentre dans une de ces caméras et les autres enregistrent juste un son témoin qui sert de référence pour synchroniser vos différents angles de prise de vue. Il est également recommandé d'avoir la même résolution et la même fréquence d'image sur toutes les caméras pour éviter des problèmes. Ici, j'ai déjà importé les roches d'un concert, j'ai donc trois caméras. Un plan large qui filme toute la scène, d'habitude c'est le plan master, c'est-à-dire le plan principal, et deux autres caméras qui filment sous un autre axe. J'ai en plus ici un fichier audio qui est le son du concert pris depuis la console de mixage pour avoir une qualité audio maximale. On peut réaliser un montage multicam dans la page Cut ou dans la page Montage. Ici on va voir comment le faire dans la page Montage. Je commence par sélectionner tous mes clips. Je fais un clic droit et je choisis Créer un nouveau plan multicam avec les plans sélectionnés. Cette fenêtre d'options s'ouvre automatiquement. Je renomme mon plan multicam. Je ne touche pas à la fréquence d'image puisqu'elle correspond bien à la fréquence d'image de mes différentes caméras. Ensuite, j'ai plusieurs options pour la synchronisation des angles. On va voir celle avec point d'entrée. Si je n'indique pas un point d'entrée particulier, alors tout le clip va être importé dans le plan multicam. Et c'est ce que je souhaite dans mon cas. Mais j'aurais pu sélectionner un ou plusieurs clips et leur donner un point d'entrée particulier si j'avais voulu. La synchronisation avec timecode est parfaite si vous avez des timecodes qui sont déjà synchronisés entre les caméras au moment du tournage. Mais ce n'est pas le cas ici. Puis, non des angles, je laisse en séquentiel, c'est-à-dire que les caméras seront nommées angles 1, 2 et 3 dans la timeline, mais vous pouvez changer ces paramètres. Vous pouvez, si nécessaire, cocher la case Détecter les plans d'une même caméra. En général, on essaie dans ce genre de situation de tourner en continu afin d'avoir un seul plan par caméra. Mais au moment du tournage, vous pouvez être obligé de changer la batterie ou la carte et donc d'éteindre la caméra. Avec cette option, DaVinci va pouvoir reconnaître que ce n'est pas un plan venant d'une autre caméra, mais deux plans issus de la même caméra. Et donc les mettre l'un à la suite de l'autre dans le plan multicam. Je valide, et j'ai ce plan multicam qui apparaît dans mon chutier. Pendant un montage multicam, le logiciel va devoir lire toutes les pistes vidéo en simultané. C'est donc très gourmand en ressources. C'est pour ça qu'ici, dans lecture, je suis passé en mode proxy, carte de résolution, pour avoir une lecture la plus fluide possible. Mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le faire si votre ordinateur est suffisamment puissant. La première étape va donc consister à synchroniser les rushs. Alors, je fais un clic droit sur mon plan multicam et je choisis Ouvrir dans la timeline. On voit que j'ai bien mes trois pistes vidéo et les pistes audio correspondantes. Ensuite, je rajoute mon fichier audio mix au plan multicam. Comme vous pouvez le voir, DaVinci a ajouté automatiquement une piste vidéo vide qui correspond à mon fichier audio. Mais elle n'a aucune importance donc nous n'en tiendrons pas compte. Par contre, pour plus de lisibilité, je vais quand même la renommer. Vous pouvez indiquer quelles sont vos pistes audio et vidéo principales avant ou après avoir synchronisé, ça n'a pas d'importance. Je vais le faire tout de suite. Je sais que mon master vidéo, ça va être la caméra 1, ce plan large, et je vois qu'ici la caméra 1, c'est mon angle 2. Et je sais que mon master audio, ça sera l'audio mix, ici l'angle 4. Je fais un clic droit sur mon plan multicam, et ici, changer l'angle vidéo. Je sélectionne l'angle 2. De même pour l'audio, là, je sélectionne l'angle 4. Il s'agit maintenant de synchroniser les clips à proprement parler. En général, il est souhaitable d'avoir un repère au son et à l'image au moment du tournage pour faciliter la tâche. Ça peut être un clap ou juste claquer des mains pour avoir un même instant rapidement identifiable au son et à l'image sur les différentes caméras. Ici, je n'ai pas ça. Par contre, en écoutant, j'ai repéré le son très net de la baguette du batteur ici. Et je vois qu'il se trouve également sur les autres pistes audio ici, là et là. Je vais donc juste décaler mes pistes pour que tous ces sons se retrouvent au même instant, tout simplement en faisant glisser les pistes. Vous voyez que la piste vidéo correspondante suit le mouvement et ça tombe bien puisque c'est le but. Si jamais la piste vidéo ne bouge pas, c'est que vous avez décoché ici la synchronisation de l'audio et de la vidéo. Il est donc indispensable que cette fonction soit bien active. Je continue à déplacer mes pistes sons. Maintenant, je vais zoomer pour affiner. Au final, il y a toujours un léger décalage parce que le fichier audio est en continu, contrairement à la vidéo qui, elle, est à 25 images par seconde. Mais c'est un décalage qui est de l'ordre du cinquantième de seconde et donc imperceptible. Mes pistes étant maintenant synchronisées, je vais les verrouiller ici. Pour éviter de les décaler en faisant une fausse manip par la suite. Et maintenant, je crée une nouvelle timeline avec mon plan multicam, toujours avec un clic droit. Pour afficher mes différentes caméras, je clique ici sur l'icône multicam. Et ainsi, je vois à gauche toutes mes caméras synchronisées. Et à droite, ma timeline. Ces trois icônes indiquent ce que vous allez intégrer à votre timeline. Là, juste l'image, ici le son et l'image, et enfin ici, juste l'audio. Comme dans mon cas, je veux utiliser uniquement mon son principal, celui du fichier Audio Mix et pas celui des caméras qui est juste un son témoin. Je clique ici sur cette icône pour incorporer uniquement l'image dans ma timeline. Pour passer d'un angle à l'autre, je peux le faire avec la souris en cliquant sur l'angle voulu, ou de manière plus pratique et plus rapide avec les touches 1, 2, 3 et 4, ou avec les raccourcis que vous avez redéfinis. Dans mon cas, bien sûr, je n'utiliserai pas l'angle 4 puisque c'est juste mon fichier audio et qu'il ne comporte pas de vidéo. Je n'ai plus qu'à lancer la lecture et à la volée, je réalise mon montage multicam en choisissant mes différents angles. Après, comme pour un montage classique, je peux modifier les points de coupe comme je le souhaite. Je peux aussi changer un angle si je ne suis pas satisfait du résultat. Je clique sur mon plan à changer, un clic droit et ici, en bas du menu, changer l'angle de caméra. Et bien sûr, je peux reprendre tout le montage ou juste une partie en relançant la lecture et en modifiant le choix des angles. Vous écraserez ainsi votre précédente version. Une dernière chose concernant l'étalonnage d'un plan multicam. Dans ma page étalonnage, ma timeline apparaît comme d'habitude sous forme de plan, chaque plan correspondant aux différents angles que j'ai choisis au moment du montage. Je peux étalonner comme d'habitude plan par plan. Mais peut-être que les trois caméras ne raccordent pas très bien, ou encore je peux avoir envie de créer un style pour une de ces caméras. Plutôt que d'étalonner cette caméra à chaque fois que son angle est utilisé dans le montage, ce qui peut être long et fastidieux, je vais retourner dans ma page montage, afficher mon plan multicam où toutes mes caméras apparaissent et sélectionner celle que je veux étalonner. Par exemple, ici, mon plan large. Je retourne dans la page étalonnage et là, je peux étalonner mes caméras indépendamment sur toute la durée du clip. Par exemple, pour mon plan large, je baisse la saturation pour passer en noir et blanc. Si je reprends mon montage, je vois que chaque fois, mon angle 2, mon plan large, est bien en noir et blanc. Voilà pour cet aperçu du montage multicam dans la page montage.